et on est très content de vous avoir et on vous dit l'année prochaine bien entendu et bonne course à tous. Voilà, le départ va être lancé. Merci quand même. Voilà, beaucoup. Bon. Merci, bonne course. Il y a des grands singes. Bon, ça marche plus central. Récompenser le prix héros, récompenser le héros, celui aime donc, c'est l'association française du syndrome de Rett. Ils sont là, là. Pour la première place, et ceux qui remportent donc ce trophée du plus grand nombre de participants pour une association, ils étaient 193 inscrits. C'est l'association française du syndrome de Rett. Alors si quelques-uns de leurs représentants, peut-être pour des raisons de sécurité, peut-être pas trop nombreux, on ne sait jamais, si les 193 montent sur scène, je descendrai avant que vous ne montiez. Hein. Je vous le dis tout de suite. L'association française du syndrome de Rett, qu'on a pu voir à l'arrivée les uns après les autres. Pour certains, ils ont couru 2 km, d'autres 6, d'autres 10. J'espère que vous aurez apprécié cette nouvelle catégorie 2 km, particulièrement plus adaptée au PMR. C'est vous qui allez prendre la parole? C'est votre femme. À bientôt, me dit-il. Bientôt. Vous nous donnerez la date, on fera un petit geste. Hein. Bon, en tout cas, c'est la fête des pères aujourd'hui, donc j'en profite pour souhaiter une bonne fête à tous les papas. Hein les enfants, on souhaite bonne fête à leur papa.
Bonne fête, papa. Voilà, très très bien. Alors, qui est-ce qui prend la parole? C'est madame. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Bonjour à tous. 193 participants au départ. Vous êtes le premier. Vous recevez donc votre prix association, largement merci. Mérité. Merci beaucoup. Il y en a un qui tient. Merci. Alors, l'Association française du syndrome de Rett. Donc, le syndrome de Rett, c'est une maladie génétique rare qui provoque un polyhandicap chez des petites filles qui initialement naissent en bonne santé. Donc, vous avez quelques filles là qui sont présentes avec nous. Enfin, quelques, il y en a 20, 30, 40, il y en a quand même beaucoup aujourd'hui. Les symptômes sont très invalidants puisque sur des petites filles qui initialement vont bien, elles ont une phase de régression avec une perte des acquisitions. Il y a quelques rares cas de garçons, mais en majorité ce sont des filles et il n'y a pas d'antécédents dans la famille. Ce sont des enfants qui après développent des crises d'épilepsie, des pertes de l'utilisation volontaire des mains, un arrêt de la parole, c'est un polyhandicap. Nous sommes tous fédérés autour de l'Association française du syndrome de Rett pour permettre de soutenir les familles, de financer la recherche, puisque la recherche contre le syndrome de Rett est une recherche très active, importante. L'association a financé plus d'1 million d'euros depuis la création de l'association. Donc là, aujourd'hui, nous, c'est 89 000 euros qu'on a récoltés avec plus de 193 coureurs. On a plus de 99% d'obtention des dossards. Donc ceux qui s'inscrivent à la FSR obtiennent leur dossard. C'est le principe qu'on a. Voilà, et nous avons quelques filles ici présentes, donc qui sont Mag, il y a une grosse équipe, c'est l'équipe la Super Hypotonic Girl avec la petite Starlette qui est là. Voilà, Maxine qui est présente, et ils ont récolté 23 000 euros à leur sort à l'association avec plus de 65 coureurs. Et il y a également l'équipe de Louise qui est présente également. Et la petite Louise, je l'ai fait un petit parcours, hein. Elle est venue de Toulon. Donc voilà, elle a traversé toute la France pour nous rejoindre aujourd'hui. Et il y a également d'autres groupes. Merci à tous les coureurs et merci à tous les tentateurs. Ouais. Merci à tous les coureurs et merci à tous les tentateurs.